Dedans. Non mais dis-donc. Des âmes innocentes perdues Tous ces gens qui ont par fait nos mains. l'erreur d'être devant nous. Exactement. Allure, on va prendre une barre de vie. Une fois, j'y ai pensé. Pour une fouet. Pour ça. Allure. J'ai pris serpent. C'est fou. C'est fou. Il a pris serpent. Serpent. J'ai pris serpent. J'ai pris serpent et je vais prendre mon habillage habituel. Le fameux. Alors, tu as dit que tu voulais aller dans la diligence ou sur le toit? Bah, je vais dedans. Dedans. Je ferai peut-être des amis. Ah, bah, peut-être bien, hein, qui ça? À l'intérieur de la diligence, il fait chaud et sec. Ah. Vous secouez votre cape de Seigneur Kay pour la débarrasser des gouttes de pluie qui la recouvrent et vous remarquez alors la présence de trois autres passagers. Deux femmes et un homme qui ronflent avec bruit. L'une des femmes lève les yeux vers vous et vous adresse un sourire. « Nous arriverons à Ragadorn dans 6 heures, » dit-elle. Puis elle dépose son panier sur le plancher pour que vous puissiez vous asseoir à côté d'elle. Elle vous apprend ensuite qu'elle habite Ragadorn et vous donne quelques renseignements sur sa ville. « Depuis que Kilian le suzerain est mort il y a 3 ans, » raconte-t-elle, « son fils Lachlan règne sur Ragadorn. C'est un être malfaisant entouré de mercenaires qui sont en fait de purs et simples brigands. Il saigne à blanc toute la population en levant de lourds impôts, et si quelqu'un a le malheur de se plaindre, il a tôt fait de disparaître on ne sait où. » Du coup, c'est bien pour ça qu'elle raconte ça à un total étranger. Hein. Genre, comme quoi, juste la cape de Seigneur Kay, ça veut dire beaucoup, visiblement. Oh oui. La vie est bien dure là-bas, et si vous voulez mon avis, vous feriez bien de quitter Ragadorn le plus vite possible. Au cours de ce voyage, vous allez devoir prendre un repas. Vous n'avez pas de repas, vous perdez donc 3 points d'endurance. Oh, super. Quelques heures plus tard, vous entendez au loin sonner une cloche. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la diligence, vous apercevez le mur d'enceinte de Ragadorn. L'attelage franchit bientôt la porte ouest, puis s'arrête, vous sautez à terre, et la terrible puanteur qui baigne ce port sordide vous monte aussitôt aux narines. Une enseigne rouillée, clouée à un mur, porte ces mots « Bienvenue à Ragadorn ». La femme vous indique alors que vous pouvez prendre une autre diligence pour Port Bax, au relais situé près de la porte est de la ville, la suite dans la suite. C'est marrant parce que quand tu rentres dans cette ville-là, donc... puanteur, rouille et autres. Allez. Moi, j'ai une petite musique qui est arrivée là au flutio en mode. Allez, c'est bucolique. Oui, dégueulasse. Mm-hmm. Du coup, on va vers le point au sud-est, mais j'ai entendu un coup de feu à l'est. Donc, coup de feu à l'est. Très bien. Ça nota. Il y a un groupe à pop. Il y a pop sur nous. Un petit Michael Jackson. Je crois entendu c'est que c'est sur une carapace. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. T'as raison. Je me dirige vers le point. Je te laisse défendre. Ouais, je défends cette entrée là. Ouais, ça court.
Quelle direction ça courait, tu sais? Non, maintenant je sais plus. Ok, mais j'ai pris le point en tout cas. On peut aller voir la gare. On peut tourner sur nos pas et aller à la gare. C'est par où? Quel point cardinal? Sud-ouest. Ah ouais. Sans serpent, je crois qu'on les aurait rencontrés là. Ils ont eu de la chance. Ouais, clairement. T'as tiré une balle de silencieux là? Ouais. L'autre. En haut. Voilà. Voilà. Ok. Garnison sud-ouest. Ok. Tant mieux, ça nous éloigne de l'autre groupe. Ils sont juste derrière nous, hein. Tellement juste derrière nous, on aurait pu laisser un piège. Un piège. Ah non, je suis con, c'est l'ozone. Le groupe? Hein? Ouais, ça tirait, mais c'est dans l'autre zone, je pense. J'ai fait une blague! Ah, je comprends. Le groupe ozone? Ah! Déçu. Oui. Tellement d'essais. C'est l'araignée, je veux un défonçage d'araignée. En bonne et due forme. C'est blanc. Bon, mais elle fait du bruit, hein. Vache. Vas-y, mon grand. T'as pas joué. Ouais. Elle est où? Elle est là. Où que t'es, sale bête? Elle est morte. On se calme. J'ai fait les deux portes habituelles autour d'elle. T'as encore un truc pour miner ou pas? Non. Ok.
pour la porte là. Ouais. Ouais. C'est la porte qui sort. Sortie, on a nord-ouest et sud-ouest, sachant que sud-ouest, il y a les autres aussi. Hein. Nord-ouest sera statistiquement moins dangereux sur le tas. Je pense qu'il y a autour de nous, bien sûr. Statistique, ça mec statique. Je pense qu'on aura au moins le groupe qui était pas loin derrière nous, quoi, qui va arriver à mon domaine. Ouais. On a des lots d'explosifs ici. Hein. Ah ouais. Comme ça, tu pourras les lancer à la fenêtre, là. Et... Ah oui. Et avoir un kill de plus à la fenêtre. Je crois que j'ai entendu courir d'ailleurs. Soit dit en passant. Soit dit. Soit dit. J'ai entendu courir, soit dit. Mmh. Oui, bon, il y a léger des gens, quoi. J'ai fait castader. Il est tout lancé. Il y en a encore, hein. Ah oui. Ah oui. Oh. Jamais les mains vides. Jamais les copains. Je peux stacker ce truc. On va tous crever. Il est fou. Oh, c'est bientôt la fin de l'araignée. Ouais. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ah oui. Grosse fenêtre, je sais pas comment il a cassé parce que. Bon, non, non, on fait pas ça. Je check. Ok. Je vois une personne au nord, une personne au sud. Ah bah super. Plus des corbeaux. Projectile. Attention à la fenêtre. Je sais pas où mon maître. Ça court. Ici. Ok. À côté de toi. Sur un piège. Hein. Oh non, enculé! Il m'a tiré dessus avant! Il est sur ta droite. La porte à droite. Yes.
Il se raise ou quoi? Bon, il se soigne au piège. C'est pris le piège de la porte qu'il y avait là-bas. Non! C'est bon. Oh, t'es trop fort. Pistolero! Et puis, on se casse. Attention au piège hein, sur le chemin. Oui, pas de check avant deux pieds. Il y a pas un autre groupe à côté. Je vais enlever ton piège, mec. Ok, c'est bon. Ok, je me soigne. Alors, il y a effectivement d'autres personnes qui arrivent, je pense que c'est l'autre groupe. Le groupe qui a fait l'autre boss qui vient sur nous. Ok. Ah oui, la vache, ils sont pas loin. C'est au nord-ouest, hein, nous, notre truc. On remarque qu'ils sont là, c'est nord-ouest ou sud-ouest, hein, peu importe. Mais... Bien joué le remplacement du piège. Ah, il y a la porte là-bas aussi. Ils sont au même endroit. Potentiellement de la vision. Ils sont en bas. J'ai vu trois personnes, mec. Faut qu'on ait au-dessus. Oh la vache. Oh, en effet, il y a un autre mec qui est par là. Donc là, on risque de tomber sur les deux qui sont là. Moi j'en ai plus que deux, on va prendre le risque de piller les mecs en haut. Allez, on n'est pas ouf, mais on n'est pas mal non plus. Ah, cool. Un check. Je vois rien dans cette direction. Go go go. Ouais, j'arrive pas à enlever le piège. Merde. Je le fais. Prends la porte. Allez, allez. C'est sur nous, hein. J'ai plus qu'une seconde.
meurs d'idée. Je me chie dessus. T'arrêtes pas. Je fais mon check. Ouais. Je vois rien devant nous, je vois que derrière toi. De te grignoter le mollet. Un piège. Laissez-nous tranquille. Check. Ok, nord-est. Je bangue. Merde. ils sont dans la zone. Allez, je vais au cac, tu me couvres. Ouais. Ah, derrière nous, derrière nous. Putain, merde, 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 merde. Non. Oh, ils sont deux. Ah, oh, pute, franchement. Ah bah, bien joué à eux, hein. Je sais pas si les mecs qui avaient la première prime ou pas, putain. Mais... Si c'est le cas, c'est grand chelem pour eux. Non, c'était eux. C'est dégueulasse. Ah, d'ailleurs, ils ont réussi à gagner un peu de temps sur leur fight d'avant, mais leurs opposants ont pas été assez bons. Ouais. Putain, on l'avait, quoi. À quelques secondes près, hein. Quelques secondes, ouais. Si on avait été à des mètres dans l'itinéraire, plus l'enlever de piège, ouais. Et tout, on aurait peut-être eu ces secondes-là, mais ça a été vraiment chaud. Vraiment arrivé au bon moment. Ouais. Ah, dommage, on s'est bien défendu. Contre le premier groupe là qui est venu. Ouais, ouais. Mmh. Ah, je suis dégueu. Alors, pour rappel, hein, la femme vous indique que vous pouvez prendre une autre diligence pour Port Bax au relais situé près de la porte est de la ville. Mm-hmm. Donc soit vous marchez en direction du nord le long de la rue de la porte ouest, soit vous allez vers le sud en empruntant la promenade du quai de l'est, soit vous vous orientez vers l'est en prenant la rue de la hache. Rue de la hache. Du coup, tu n'écoutes pas la femme. Très bien. Ah bon? Pourquoi? Elle a dit quoi? Au relais situé près de la porte est de la ville. Oui, la porte est. Le long de la rue de la porte... Ah non, j'ai rien dit, en fait. J'avais lu de la porte est en allant vers le nord. Mais en fait, c'était la porte ouest. Même à l'écrit, j'ai du mal. Bon, je vais là où a dit la femme. Bah, il n'y a pas une option qui dit directement ça. Donc j'imagine que c'est pour que tu puisses te tromper, justement. Il faut se reconnecter, super. Super. Poursuivre la mission. Donc, pour rappel, on te dit d'aller près de la... Je le relis, hein, au cas où. Oui. La femme te conseille d'aller au relais situé près de la porte est de la ville. Soit tu marches vers le nord, le long de la rue de la porte ouest, soit tu vas vers le sud en empruntant la promenade du quai de l'est. Toi, tu vas vers l'est pour prendre la rue de la hache. Je vais vers l'est pour prendre la rue de la hache. Cette rue au pavé jonché d'ordures est bordée de taudis, de massures aux façades moisies et de boutiques délabrées. Les quelques passants que vous croisez ont la mine sombre, les traits tirés, les yeux hagards. Ils avancent dans le noir en traînant les pieds, le dos voûté sous la pluie qui tombe à verse et le regard fixé sur le pavé.
Vous arrivez bientôt à un croisement, là, la rue de la Hache s'oriente vers le nord et une autre rue part vers l'est. Est. Alors, j'ai encore lu les choix, mais pas ce qu'ils disent. Toi qui as fait du CQC ? Ouais. Je suis un malade. T'es fou ! Complètement en dingue ! Regarde, t'as une ruche ici, pas loin. On peut aller à paroisse ou à Acré. Plutôt à Acré, je dirais. Ok. Ou vers l'ouest. Il gagne. Il gagne. Il est très fort. Ah, il est là et c'est blanc. Nice. Boum 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 boum. Ah, je passe. Non, il descend. Reviens ici. Voilà. J'ai loupé ? Alors, j'ai loupé. On peut condamner cette partie-là, peut-être. J'ai mis un piège ici. Ça condamne une partie de la zone. Ok, je me demande s'il n'y a pas eu du CQC avant. Montre à cette fenêtre, ouais. Montre-lui, ouais. Il veut nous niaquer. Voilà. Niaqueur, arrête de niaquer. Après les hackers. Sortie sera au nord.
Ah oui. Tous les trois sortis. Trois sorties. Okay. Chacun. Putain, y'a rien, y'a rien, mec. Voilà. Go. Jamais, je crois que c'est pas le principe. Je vois toujours rien. Ok. Allez, c'est donné. Toujours rien. Oh, démoli. Parfait. Attention, l'étoile. Et c'est parti pour la jolie étoile. Bravo. A été donnée celle-là. Ouais. Merci le jeu vidéo. Merci le jeu vidéo.